député nous aimer mais ma faute c'est moi qui était député. Mais ma bonne est sans ouais ou même. Ah, député nous en fait, je dis ouais, le député j'en ai bien pour qu'a Jenny dans Jenny. Exactement. Yes. Avec monsieur Franz Benjamin. Ah, ça amène dans Jenny and Jen show donc pile bas. Oui, c'est bienvenue dans la deuxième partie émission de Jen and Jen Show avec notre député Franz Benjamin. Alors Franz, avec tout parcours que vous faites dans la politique et puis présentement vous êtes député, est-ce que ça a déjà arrivé que aux victimes de discrimination raciale? En fait, je dis, on croit qu'au monde qui sont élus, surtout leur issue de minorité visible, même leur pas de victime, ou doit assumer le fait que je dis, il y a trop de monde qui est victime. Et parce qu'il y a trop de monde qui est victime, l'idée fait partie d'un engagement pour lutter contre ça. Et moi-même, c'est clair que pour moi, c'est un engagement de lutter contre la discrimination parce que je connais qu'elle existait, parce que je connais qu'il y a trop de monde autour de moi qui est victime de ça. Et je dis, nous avons évolué dans la société. Côté, bien sûr, il y a des institutions. Mais les institutions, elles ont paramétré, elles ont porté des valeurs, elles ont une histoire, elles ont une trajectoire institution. Et définir c'est faire institution ça, c'est pénétrer institution ça, c'est permettre institution ça pénétre par des valeurs d'ouverture, des valeurs de justice sociale, des valeurs d'égalité et des valeurs de non-discrimination. Ça, c'est un enjeu que lorsqu'on est élu, qu'on doit porter, et peu importe qu'on soit élu des minorités visibles. Assez souvent, il y a toujours dit que nous avons un peu de critique de ça, tout, mais où tu fais un petit point, tantôt, ou pas un petit point, un grand point sur ça tout à l'heure, c'est par rapport, Jen, on est assez souvent, nous dit que pour que ça nous parle, la communauté nous a impliqué dans ce soir. Nous toujours l'autre nation que nous est haïtien impliqué soit un député ou bien un magistrat ou bien un monde vraiment ou bien un conseiller exactement un conseiller. Est-ce que assez souvent nous ca dire est-ce que monde ça c'est parce que il est pas assez formé pour gagner poste là ou bien est-ce que des fois c'est une question de racisme qui fait monde ça pas engagé même pas qu'à finir dire ça parce que au point est là dans la rue selon sortant des monde a dit. Mais tant qu'on dit, il faut que l'on éduque, il faut que l'on forme. Si on a toute capacité qui existe, on ne peut pas faire en sorte que l'on demande un emploi sous pas de capacité pour les pauvres. Parce qu'on a une couleur de pauvre. En fait, l'idée d'être élu, ce n'est pas un job. Moi-même, pour moi, ce n'est pas un job. L'on élu, son privilège. Son privilège que des gens font confiance, ils disent à le représenter. Bin servin. C'est ça, il y a avant tout. Bien sûr, il y a la question des notions d'éducation, de compétences, etc. Oui. Mais, bon, l'autre bagaille qui doit associer à ça, c'est pour moi qui voulait élu, sous ces élus, voulait élu. Faut impliquer. Faut engager. Donc, sous pas impliqué, sous pas engagé, on est, et t'as beau être compétent, mais on va. Bon, on est, c'est pas tout. Mais si on bel mariage en compétence et implication, ah ben ça, à ce moment-là, c'est intéressant. Mais nous croyons qu'on a un bagage qui est formidable. Je dis, si nous regardons le parcours nous, comme communauté, je dis, nous avons plein sous tête nous. Mais où qu'on ait une autre communauté qui a regardé nous, qui voit que nous sommes modèles pour eux. Oui, c'est vrai. Je dis, par exemple, par contre, si nous comptons ça, nous passons pas seulement Montréal, nous avons le municipal. Nous avons le municipal dans notre ville, tout. Gatineau, nous avons le municipal. Mont-Laurier. Jusqu'à tout dernièrement là, le maire de Mont-Laurier, c'est un haïtien. Ils sont haïtiens, c'est vrai ça. C'est donc, et au niveau, par exemple, député, par exemple, nous avons Emmanuel Dubourg, qui est dans la communauté haïtienne, comme député fédéral. Exactement. Et au niveau provincial actuellement, nous avons moi-même, Dominique Anglade, c'est député. Gagné deux autres députés qui d'ascendance haïtienne, qui d'origine haïtienne. Ouais. Bon, alors,
c'est au niveau municipal, par exemple, nous avons Nathalie Pierre-Antoine sur la scène montréalaise, qui sont élus d'origine haïtienne et à Rivière des Prairies. Au niveau commissaire scolaire, nous avons Henri-Robert Durandis, nous avons Robert Alexandre et Laval. Donc, nous avons plusieurs élus. Tout comme tout, nous avons plusieurs attachés politiques, tout. Parce que c'est des fonctions qui sont importantes, attachés politiques. Des directeurs cabinet. Des fois, il y en a pas sous-estimé. Il y a un directeur cabinet plus puissant qu'un député ou bien qu'un élu. Parce que directeur cabinet, c'est lui-même qui a décidé de qui ça prend sous ta ministre comme dossier. Donc, si on a un directeur cabinet bloqué, donc, dossier n'a pas monté, jeune ministre. Député 1. En parlant de député 1. En parlant de député 1. Donc, fonction directeur cabinet, c'est une fonction importante. Qui veut dire, là, on regarde les fonctions politiques, il faut regarder ensemble de fonctions ça. Tout éventail de fonctions ça. Là, on a parlé, par exemple, de présence, de questions et enjeux de discrimination. Enjeux de discrimination, il existait, il est réel. Nous pas gagner. Mais, il y en a un plus grand antidote pour nous gagner, pour nous lutter contre la discrimination, c'est pour nous continuer en communauté compétente, qualifiée, ok, et mobilisée, et engagée, et impliquée. C'est vrai. Mais pour nous être dans la même ligne là, et surtout pour moi-même, je retourner par rapport le fait que j'étais conseiller municipal. Mais qu'on y a là, le fait que qu'on y a élu en tant que député de Vio, est-ce que ou bien un mandat, parce que en 2003, on a créé un comité. Par rapport qui t'a puté contre le profilage racial. Et je crois que, bon, pour le monde Montréal qui a regardé nous, son sujet qui est très chaud dans les médias actuellement. Vous comprenez? Ou même qui travaille sur un projet déjà bon, il y a quelques années, qui ça ou bien en vue pour compter de vieux? Mais je dis à défi qui sont là. Ce sont là. Gros défis. Absolument. Je dis à, pas plus tard que je dis à, nous tendons que nous avons deux nouvelles. Le service de police de la ville de Montréal qui a annoncé un plan d'action pour lutter contre le profilage racial. Et juste pour me faire une petite parenthèse, parce que pour nous, bien diminuer, nous repentinons, et même repentinons, tu es sorti tout dans le profilage racial. Exactement. En grande lettre. Donc, question de profilage racial, là, c'est pour moi qui concerne Montréal seulement. C'est pour moi qui concerne toute société canadienne. Non. D'ailleurs, en décembre dernier, et moi-même avec. Absolument. Oui. Moi, j'étais à Toronto dans le cadre du sommet pan-canadien des communautés noires, donc qui était réuni près de 500 membres des communautés noires de partout au Canada. Et il y a un enjeu en matière de justice que nous étions convenus pour nous travailler sur lui, c'est la question de profilage racial. Okay. Donc, pour nous, c'est un danger qui sont des barrières qui font pile tort, pile mal, surtout aux jeunes de nos communautés. Donc, et dans ce sens-là, je crois que oui, il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à engager, il faut continuer à travailler, revendiquer nous, nous dans ce sens-là. Et deuxième nouvelle que je te dis, c'est une poursuite, un recours collectif que la Ligue des Noirs engagée contre la ville de Montréal. C'est bon, c'est très bon, c'est très que bon. Pour faire valoir la douane. Mais en jeu, ça pour moi, par exemple, comme député de Vieux, dans le quartier tant pour quartier Saint-Michel, par exemple, je dis, je suis très content du travail que, nous, que la police engageait pour le faire. Par exemple, pas plus tard que semaine prochaine, il y a une rencontre qui est prévue entre poste police là, avec l'ensemble des groupes communautaires du quartier, les écoles du quartier, côté nous calchita ensemble, pour nous garder pour nous, en jeu ça, problématique ça, comment nous-mêmes dans Saint-Michel, nous sommes capables de faire pour mieux répondre à lui. Wow. Et je crois que dans ce sens-là, ça m'a salué leadership et commandant post 30 ans, dans ce sens-là, qui prend les devants, bien avant que politique la sortie, invitation de la partie depuis avant-hier, etc., pour nous travailler sur le dossier ça. Parce que le dossier ça, c'est pas un dossier qui méritait pour travailler sur lui pendant 6 mois, pour quitter le côté, mais son bagage qui nécessite une vigilance constante. Continue. Et dans ce sens-là, tout, je crois que c'est un dossier que nous pourrions poter à l'Assemblée nationale, tout, au niveau de l'Assemblée nationale du Québec, pour nous demander la ministre de la Sécurité publique de se pencher sur cet enjeu pour l'ensemble du Québec. Wow! Moi, vraiment content parce que c'est vraiment important parce que nous, ouais, si je nous yo, ça que y a subi, surtout dans Saint-Michel, parce que nous avons pile de jeunes noirs, fort, nous disons, même
même si gen moun la kap gade nou ki bien loin non l'autre pays qui pas connaît Saint-Michel, mais Saint-Michel son quartier qui gon forte concentration d'haïtiens kap viv la. Oui. Est-ce que France pendant que on a politique, est-ce que gen moun ki déjà font menace de mort? Menace de mort non, menace peut-être oui, menace de mort, oui, c'est vrai. Ah bon? C'est vrai. Menace de mort, oui, c'est vrai. Wow. C'est vrai, mais c'est des choses, évidemment, comme élu, donc là que, aux victimes de n'importe qui propos haineux ou bien des menaces, peu importe forme menace en l'IA, donc bon canal, bon filière, qu'on redirige vers, directement vers la police, mais ça suit son cours. Donc, et des fois, et si besoin est, pour une protection rapprochée, ou pour une protection rapprochée. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu à avoir besoin d'avoir une protection rapprochée. Oui, c'est vrai, parce qu'on vit là sans sécurité. On oui, vit oui, oui, c'est vrai. Absolument. Donc pour nous, c'est. Bien. Et moi-même, moi, je suis élu de proximité. Et même le député, c'est bon, je voulais changer. Je veux dire, je voulais continuer à circuler, rencontrer à la CAI. N'importe qui monde dans Saint-Michel, j'en ai l'habitude de faire auparavant, que ce soit comme jeune qui grandit dans le quartier Saint-Michel ou bien comme élu, parce que pour moi c'est important que l'on représente le monde, qu'on soit capable de chita, parler avec n'importe qui, n'importe qui. Comme ça, j'ai bonjour soi, et pendant, il était peut-être une heure, minuit et demi, une heure du matin, et puis m'a fait une visite de terrain, donc m'a vérifié, m'a visité quelques parcs dans la nuit, etc. Et puis m'a croisé avec un monsieur. Et puis, monsieur a dit, c'est où? Il me dit, oui, c'est moi. Je dis, où marcher tard? Il me dit, mais c'est là, c'est loué, c'est normal, pour faire travail. Et ou pas élu une heure par jour, ou élu 24 heures par jour. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est pas important de travailler. Wow! Mais est-ce qu'on trouve le temps pour reposer? Parce que, j'en ai parlé là, je me demande, est-ce qu'on trouve le temps pour reposer? Est-ce qu'on trouve le temps pour famille? Oui, pour moi, c'est un bail important pour me temps pour me reposer, pas seulement pour me reposer, mais temps pour m'écrire tout. Donc, évidemment. Oui, je vois vite tout ça, oui. Oui, oui, je viens de temps pour me reposer, moi. Mais évidemment, souvent, les besoins, les pour me reposer, moi, je suis obligé de faire mes téléphones là. Oui, ça, c'est vrai. Je suis obligé de faire mes téléphones là parce qu'il y a beaucoup de demandes, on est souvent sollicité et nous n'avons pas qu'à répondre à toutes les demandes, malheureusement. C'est sûr. Donc, il y a des fois des gens qui ne sont pas contents parce que les mieux pas joindre moi, parce que des fois, et il y aurait dans le bureau de côté, il y a des gens qui ont été pour répondre. Mais il y a des gens qui ont profité, comme on est dans le monde Saint-Michel, qui ont gardé l'émission, qui ont profité de dire là où il y a dans le bureau de circonscription, et puis je ne vais pas parler pour moi seulement, je ne vais pas parler pour n'importe qui député. Donc, il y a des gens qui travaillent dans le bureau de côté, ça, c'est des attachés politiques, de responsabilité, c'est traiter dossier. Qui veut dire, si vous ne réussissez pas à parler avec les députés, si son député fédéral lié, c'est parce qu'il est à Ottawa, il est dans la Chambre des communes, ou bien il n'en rencontre. Il n'est pas disponible. Si son député provincial, c'est parce que l'Assemblée nationale, le Québec, mais ou capable toujours confier à attaché politique, qu'on va pas adresser à l'IA, son professionnel lié attaché politique là, job lui c'est tendé ou, c'est accueilli de l'éance ou, et dans mesure qu'elle est capable, c'est accompagné ou pour aider une solution à un problème. Donc il me dit, pas hésiter, le nouveau problème, contactez bureau député nous. Donc dans la mesure que bureau député a, problème nous gagne pas relevé de compétences li la pour diriger nous vers palier qui capable de répondre à besoin. Par exemple, des fois il y a mon qui est dans bureau circonscription pour des problèmes qui relevaient des compétences de la municipalité. À ce moment-là, nous rediriger vers la ville. Si même jantou souré le ou par exemple un monde qui est les dit monde dit moi ça et monsieur Benjamin mon problème là, par exemple, c'est passeport perdu, me besoin faire passeport. C'est pour pareil qui relevait des compétences du Québec. Donc, on va rediriger vers le gouvernement fédéral, vers votre député fédéral à ce moment-là. Donc, mais, même Janto, on qui est dans le bureau député fédéral là, ou dit, ah, monsieur le député fédéral, mon bon problème Hydro-Québec là. Donc, moi, député fédéral a dit, ah, sur mon problème Hydro-Québec, ce n'est pas tellement moi-même, c'est le député provincial là. Alors, il est dans le bureau député provincial. Donc, mais c'est voilà. Que... nourri de ça même quoi que c'est vraiment des questions que absolument que ce qui arrive c'est des choses monde c'est, des réponses. C'est vrai c'est des bagages qui arrivent okay. Ouais, mais il y en a un map d'immunio très important élu il y a là pour servir nous c'est au service nous élu pas gêné faire appel à élu mais évidemment map tout dit nous tout c'est pas tout problème que élu a capable de résoudre élu a le rôle c'est accompagner nous
c'est aider nous comprendre le système là, c'est aider nous répondre à besoin. Mais des fois, c'est qu'on attend nous tout que il y a des besoins que nous rien que lui a malheureusement qui dépassé compétence son élu que le pape pas répondre et nous croit que tout élu est honnête puis il répond nous dans ce sens. Wow. Moi-même je voulais retourner sur fond ça où tu créé et qui genre idée t'es venu pour te créer fond 1804 et pour qui ça c'est non 1804 pour bail. Alors faut me dire tout de suite en fait c'est pas moi c'est Yonna co-fondateur. Ok, fond. Co-fondateur. Voilà, c'est un co-fondateur. Merci pour préciser. Oui, parce que, qui bon l'idée ça sorti, il y a quelques années, probablement il y a peut-être 10 ans, il y a une étude qui était faite par le ministère de l'Éducation du Québec et l'Université de Montréal, la chaire éducation de l'Université de Montréal, sous question réussite scolaire des jeunes issus des minorités visibles. Ok. Et étude ça a révélé l'elle fait révéler que dans le cas des jeunes communautés noires, notamment des jeunes de communauté haïtienne, ils ont un retard scolaire. Qui fait que, retard scolaire, ça par exemple, pour essayer de traduire pour nous, sur 10 timons, 10 Québécois qui rentrent dans le secondaire 1, au bout de 5 ans, gagne 6 sur 10 cap sorti avec diplôme études secondaires 5. Wow. Et 4 qui en retard. Qui veut dire c'est okay. Ça le taux de décrochage 40%. OK, parfait. Dans le cas pas jeune communauté haïtienne, particulièrement ti monde qui fait en Haïti ou bien ti monde qui grandit ici. OK. Sur 10 qui rentré dans secondaire 1, gagne seulement 5 cap sorti. Wow. Avec diplôme d'études secondaires, il y a 5 qui veut dire qui en retard scolaire. Ça pas me dire 5 ans, il a décroché non, mais il en retard scolaire. Qui dit retard scolaire, leur cumuler plusieurs retards scolaires, mm-hmm. Il finit par déboucher sur décrochage. Okay. Alors l'étude ça fait, le ministère d'éducation t'est réuni, il y a une vingtaine de membres de la communauté haïtienne qui présents dans diverses institutions parce que le ministère d'éducation pas connaît qui ça pour le faire avec résultat donné ça, pas de publier. Parce que il était peur pour résultat ça pas stigmatiser par exemple Timonio. Mais nous-mêmes qui étaient là, nous plusieurs qui étaient là de ça, dont il y a un monde comme Edouard Stacco à l'époque, et c'est un membre de la communauté haïtienne, lui-même à l'époque il était membre du Conseil supérieur de l'éducation, c'est un ami tout, c'est et des monde comme Nel Armand et qui était là tout. Il y a des gens comme Robert Durandis, oui. Qui est là tout. Nous plusieurs qui étaient là, nous t'ai dit, l'heure qu'on a besoin de guérir une maladie, il faut commencer par poser un diagnostic. C'est ça, la capacité de nommer le mal. Donc, si on ne pose pas un diagnostic, on ne peut pas guérir. Ouais. Donc, nous, dit le ministère de l'Éducation, non. Nous-mêmes, nous croyons que, au lieu que nous stigmatiser comme notre haïtienne, nous croyons qu'il faut nous nommer la problématique. Mais comment nous devons nommer les livres? Nous n'avons pas qu'à remplacer le ministère de l'Éducation, nous n'avons pas qu'à remplacer la commission scolaire, nous n'avons pas qu'à remplacer l'école, nous n'avons pas qu'à remplacer les parents, qui ont même le premier rôle dans l'instruction de Simon. Nous disons comme citoyens, comme membres de la communauté, comme citoyens québécois et québécois, comme membres de la communauté haïtienne, qui ça nous capable de faire? Nous créer un espace, une organisation, yon fond, côté nous dit, nous pourrons soutenir les jeunes persévérants. C'est-à-dire que tout jeune, tout petit monde qui a pour on raison bien pour l'autre, qui a une difficulté dans le cheminement, yo, mais qui malgré tout, qui est là, qui est bien, petit monde, ça, il faut un bagon coup de chapeau. Il faut saluer fort. Que ce soit par exemple des petits monde qui étaient malades. Nous, par exemple, nous avons des petits monde qui fait 3-4 mois internés à l'hôpital, hospitalisés. Si moun sa, malgré tout, continue l'école li. Gèle ti moun, par exemple, après tremblement de terre, après 12 janvier, gèle ti moun qui vivait ici, qui vivent traumatisme là, ti moun sa rentre l'école tout de suite, ti moun sa son persévérant, son choc. Gèle ti moun qui a vivé des problèmes dans la famille, qui n'est pas facile. Donc, tout ti moun sa, nous relions des persévérants. Donc, ti moun sa, c'est eux-mêmes, nous baillons des bourses pour soutenir. Et nous te yon la question de venir poser nous comment pour nous reler en fond comme ça le n'a démarré
Et c'est là que ça nous vient songer que plus grande leçon de persévérance, selon nous-mêmes, dans l'histoire de l'humanité, c'est 1804. Là, il y a un groupe d'esclaves, des mondes qui n'ont pas gagné dans le meilleur. C'est seulement conviction que vous avez gagné. Vous avez dit que ce qui est plus important pour un être humain, gagné, c'est la liberté. Et Josa, il a décidé, au moins, goumé pour prendre la liberté. Nous disons aujourd'hui, la plus grande bataille que nous-mêmes, si on jeune, qui a grandi ici au Québec et au Canada, la plus grande bataille qu'on a menée aujourd'hui, c'est l'éducation. Et c'est nous pas pour nous, l'un des gars de nous, Nelson Mandela, lui dit, l'éducation, c'est la plus grande arme qu'on peut avoir aujourd'hui pour se libérer. C'est et aujourd'hui, nous croyons que c'est ça que nous décidons d'ouvrir le fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Et tout de suite, nous dit, c'est pas un fonds qui est destiné exclusivement aux jeunes haïtiens. Parce que la question de la qualification, de la question de l'éducation, n'est pas une affaire éducative et communautaire seulement. Parce que nous sommes des gens qui ont grandi au Québec. Nous baillons à des jeunes de toutes origines. Nous baillons. Qui gagne la persévérance. Qui gagne la persévérance. Toutes jeunes persévérants. Nous baillons des bourses. Mais évidemment, c'est sûr que nous, au niveau de la promotion du fonds, c'est des gens de la communauté haïtienne qui l'ont démarré. Il y a beaucoup de membres de la communauté haïtienne aussi qui soutiennent le fonds. Nous avons profité, je dis, et même les membres du conseil d'administration du fonds encore, pour me saluer, pour me remercier, je dis, toutes citoyens, toutes citoyennes qui soutiennent le fonds 1804, qui fait que je dis, le fonds 1804 pour la persévérance scolaire, c'est la plus grande, nous très fiers pour nous dire, la plus grande organisation au Québec en termes de nombre de bourses données à la persévérance scolaire. Wow. Pas bien aucune organisation qui baille plus bourses à la persévérance scolaire au Québec que fonds 1804. Année ça seulement, en 2018, c'est près de 50 000 $ que nous baillons en bourse. Oh. L'an dernier, en 2017, nous baillons près de 100 000 $ en bourse en 2017, dans le cadre du 375e anniversaire du Montréal. Wow! Voilà. Félicitations! Pour merci pour félicitations. Mais félicitations, nous remettons tous les donateurs, toutes citoyennes, citoyens qui baillent des bourses. Donc, m'invitez mon capitaine de à sur Facebook, à le taper Fonds 1804, puis ouais, qui travaille qu'a fait ma communauté. Ah oui, il y a besoin d'informations pour tout le monde à regarder parce que c'est très intéressant. Très intéressant. Ah oui, c'est bien et ça. Et moi, que y a pile monde, un pile petit monde qui va t'encourager à l'école, aussitôt que vous attendez des bagages, il y a dit maman, mais mal est-ce que l'école veut aller à l'école parce que vous voulez gagner un bagage. C'est vrai, il est encourageant. C'est intéressant. Nous avons pile belle histoire, pile belle témoignage que depuis 5 dernières années que nous existons, que ce soit des parents fait nous, des enseignants fait nous, des intervenants fait nous, autour de persévérance scolaire, d'impact fonds dans ces milieux, dans ces communautés. Par exemple, me songer, il y a 2 ans, et m'a raconté une anecdote ça rapidement, il y a 2 ans, m'a prononcé en conférence dans Bachelor Center. Le Bachelor Center, c'est le pendant anglophone des centres jeunesse dans l'ouest de Montréal. Et puis, il y a un intervenant, que m'a parlé avec lui, qui dit qu'il a raconté mon histoire. Il dit mon sœur que gonle pendant la caeli en soirée et puis gon jeune on jeune un jeune qui était bénéficié d'une bourse que lui-même il était estimé que jeune ça son jeune insupportable que pas même les petites lit en affaire avec jeune ça et puis le temps de sonner la caeli et puis là l'ouvre porte là il voit ces jeunes petits jeunes ça qu'avec un chèque qu'elle met dans main une médaille fond 1804 dans cool et puis un certificat qu'elle dit monsieur en anglais évidemment son jeune anglophone monsieur nous sommes sérieux qu'on y a sérieux. Mais nous sommes dans mon bourse, nous sommes bourse 1804. Il dit depuis l'heure, il remarquait, jeune flanais ça, petit jeune garçon ça, genre comportement monsieur changé du tout au tout, parce que monsieur vient considérer comme un champion. Il a une médaille de la persévérance dans le monde. La persévérance, c'est pas une bagaille. Bon, France, bon, si on va me mettre des questions parce que ma patte nous a réponse là, elle doit pas, oui, j'ai un petit jeune douté, soit pas poser quand même. Oui. Nous toujours faire petit joke. Pour nous mettre à l'aise dans sa pratique. Mais pas un vieux bagage. Parce qu'on ne peut pas mal à l'aise. En tant que un grand politicien qui toujours réussi dans toute sa l'a fait. Pour Jean en Haïti et là présentement, Haïti tête en bas.
nous pouvons faire une nouvelle en Haïti ou jouer un titre pour faire une nouvelle quand même. Est-ce que, dans vous-même, vous pensez que, et est-ce que vous sentez dans vous-même que vous êtes capable utile à Haïti dans ce moment ça avec la crise que vous traversez? Et ces deux questions, en fait, bah, les faire que ce soit trop long. Et de, la deuxième chose, c'est que, est-ce que vous avez intention un jour poser candidature en Haïti pour président? Ou bien conseiller ou magistrat? Mais plus président. Alors, parce que j'aime un pays là, il besoin un bon président et moi qui fais un bon président. C'est sûr que il y a une parole qui dit ou quand mettons haïtien dehors d'Haïti, moi pas quand mettre Haïti dehors en dedans haïtien. De dans sens ça pour moi et moi très sensible. Moi très sensible comme haïtien d'origine à tout ça qui passe dans le pays. Ouais. Et moi tout moi chaque fois et tant que tout l'autre haïtien qui vit ici, qui vit partout sur planète là, chaque fois qu'on mauvaise nouvelle qui vient joindre nous qui concerne Haïti, ça touche nous, ça fait nous mal. Oui. Chaque fois qu'on catastrophe naturelle qui frappe Haïti, ça fait nous mal. Mais en même temps, m'a rappelé et tout le monde que moi-même personnellement, je dis à moi c'est un élu canadien. Nous sommes élus canadiens d'origine haïtienne soit, même sont élus canadiens, nous sommes élus québécois d'origine haïtienne. Et donc, mon devoir, son devoir de réserve envers l'État, envers les élus haïtiens. Donc, moi, respecter les autorités haïtiennes. Donc, et je suis convaincu que Haïti, mon population de 10 millions de monde, ce n'est pas 10 millions d'imbéciles. C'est 10 millions de monde qui remet pays sûrement, qui veulent pays, tout le monde veut remet pays de l'avant. Ils n'ont pas partagé la même vision, mais moi, laisser à eux-mêmes le choix de questions destinées au pays d'Haïti. Ma faute rectification, je vais vous découper. Mais est-ce que vous avez une chance, possibilité pour changer un bagage dans ce qui a fait Haïti? Est-ce que vous avez porté comme bas de candidature, comme si vous avez aidé? Mais déjà, Fomzo, là-dessus, pour moi, je vais poser une question pour me parler de travail. Moi. Déjà depuis les dernières années avec Haïti. Sur la scène municipale, comme conseiller municipal, donc moi j'ai travaillé de très près sur le dossier, par exemple, de jumelage de Montréal avec Port-au-Prince, par exemple, et avec plusieurs autres municipalités d'Haïti, quatre autres municipalités de la région des Palmes. Donc, et je travaille en pile, je suis en mission à plusieurs reprises en Haïti. Et comme haïtien d'origine, tout m'a accompagné plusieurs deux ou trois associations régionales de la communauté haïtienne d'ici, dans l'intervention en Haïti. Et comme membre de la communauté haïtienne, nous toujours participé à des événements qui touchaient solidarité diaspora haïtienne avec leur pays d'origine. Que ce soit la participation dans plusieurs événements, penser à des régions dans la Tibonite, dans les régions du sud, du sud-est, etc. Nous toujours présents dans la manifestation. Pour moi, c'est des façons concrètes pour nous présents. Mais non seulement ça, comme élu montréalais, comme élu canadien, évoluant sur la scène, moi toujours, ou au moins, c'est sensibiliser, par exemple, les autorités canadiennes, québécoises et municipales sur les enjeux réels de la communauté haïtienne. Donc, et par sur quoi, si mal écoute, parce que nous sommes membres, nous sommes petite communauté haïtienne, non? Comme mal écoute de la communauté haïtienne, donc, de facto, ou presque, mal écoute d'Haïti. Parce que nous vivons dans nos communautés, cette communauté noire, elle vibre. La communauté Haïti prend coup, j'ai communauté haïtienne dans le courant de l'eau. Donc, il veut dire dans ce sens-là, comme moi, c'est un monde qui est en dedans de la communauté haïtienne, là, donc nous sommes très sensibles à ce qui passe en Haïti. Mais pour me répondre directement à la question, là, est-ce que m'intéresser à occuper une fonction en Haïti? Absolument pas, pas du tout, jamais, au grand jamais. Parce que je suis convaincu que les gens qui sont en Haïti, ce sont des gens intelligents qui sont capables de mener la destinée de leur pays d'origine. Bien répondu. Non, bien répondu. Bien bonne explication et puis après ça, une bonne conclusion. Bye, normal. Merci. Bon, moi-même, France, la question que moi-même, moi, j'ai pour vous, c'est que, avec nouveau gouvernement, ça, qui fait élu là, ça n'a pas longtemps, et ou même qui fait partie de un député qui vraiment à l'opposition. Qui ça ou pensez de nouvelles plateformes ça qui voulait diminuer nombre de
moun kap emigre ici nan Québec là? Alors, c'est un enjeu que nous t'ai abordé durant la campagne électorale là en pile. Et dans ce sens-là, m'a cohérent, m'a rappelé mon nom, m'a rappelé à toute communauté, à sous plusieurs tribunes d'ailleurs, et de l'importance pour être très vigilant par rapport avec les orientations de la CAQ sous question immigration. Et je dis à Noëlly, ça me dédia malheureusement, c'est, ça s'avère dans les premières décisions que CAQ prend, et c'est attaqué par exemple, qui réduit question mesure immigration, mais qui dit réduit question mesure immigration, hein, on va parler de réduit toute catégorie, on veut réduire toute catégorie, incluant le programme de réunification familiale. L'en songe par exemple que je dis à plus fort, monde qui est dans la communauté haïtienne, qui ici, il est ici en vertu du programme de réunification familiale. C'est vrai. Donc je dis à monde qui prend bien surtout problématique, problème par rapport avec mesure ça, c'est monde qui surtout sorti dans pays et pays que les pays du sud, c'est-à-dire monde qui sorti en Haïti, monde Amérique latine, monde qui sorti en Afrique, c'est monde qui a plus de difficultés. Donc, tandis que son immigration qui visiblement peut favoriser beaucoup plus européen. Et il y a un bagaille qui gagne tout dans l'orientation CAQ là. C'est que jodi a tout côté passé dans toute région au Québec. Où est pancarte affiché, y a cherché monde, gagne des restaurants qui fermé parce que pas gagne employé. Et jodi a tout monde d'accord que gagne trois façons pour combler question manque de main-d'œuvre. Faut former plus monde. OK, question éducation. Faut qu'on permette plus jeunes prendre relève, faut permettre en fait, c'est question éducation toujours, faut permettre grand mounio peut-être étaler ou retraite au monde qui a compétence ou rester plus longtemps travail. Et troisième façon, c'est immigration. Troisième mesure, c'est immigration, tout le monde convenu là-dessus. Mais malheureusement, non contexte, je dis à côté toute chambre de commerce employeur tout côté a dit comme ça que nous besoin immigrants, mais CAQ dit non, nous-mêmes nous voulons moins immigrants. Des je dis à moi que et c'est pas fini et malheureusement les c'est son gros bataille là, c'est son bataille qui fait commencer. Et dans ce sens ça, par exemple semaine dernière l'Assemblée nationale m'a profité saluer par exemple travail de comme Dominique Anglade fait au cours de la dernière semaine à l'Assemblée nationale, côté Dominique vraiment talonné et gouvernement CAQ là. Donc, à des questions solides, côté que visiblement, il n'y a pas en mesure pour répondre, parce que c'est un pile d'improvisation qu'a fait dans la question ça. Et je crois que, je dis à comme communauté, il faut nous être vigilants à travers l'organisation communautaire, parce que c'est des batailles qui vont nécessiter que y ait des batailles politiques qui peuvent faire sur eux. Une bataille politique, ça n'est pas de bataille élue seulement. Il faut que la communauté, à travers ces organisations, fait parler de l'idée. Mais est-ce qu'on trouve que son façon vraiment pour freiner, parce que ouais, vraiment comme pays, hein, peut-être surtout au Québec, vient envahi de immigrants issus de différentes communautés, est-ce qu'on a un ressentiment ça? En fait, c'est sûr que en pile observateur qui a suivi, qui t'a suivi promesse CAQ fait et travail que CAQ a fait aujourd'hui. Et en pile observateur d'accord pour dire que c'est un parti qui surfe en pile sous sentiment ou sous perception que par exemple majorité québécoise est capable de gagner de questions immigration. Donc qui utilisait ça comme outil qui instrumentalisait frustration ou bien ressentiment au sein de monde capable de gagner, il instrumentalisait comme outil politique pour arriver au pouvoir. Et je dis à moi que l'heure que on moun ou promesse politique si on mais l'a dirigé l'heure qu'on c'est premier ministre Québec ou nous premier ministre tout québécois et toute québécoise François Legault c'est ça le promet, c'est il te promet que la premier ministre important, oui. Voilà, il te promet que la premier ministre toute québécoise et toute québécois. Alors jusqu'à présent nous pouvons gagner aucune bonne nouvelle qui expliquait qui traduit ça, je veux dire. Beaucoup de monde dit comme ça que assez souvent, les immigrants sont entrés, que c'est haïtien, whatever, quelle que soit la nationalité. Ils ont dit comme ça que les gens qui sont entrés, c'est nous-mêmes qui travaillons là, c'est sous nous, ils prennent un cobre, leur bien-être social, ils prennent un cobre. Et c'est une raison, ça c'est les immigrants qui sont de l'autre côté, qui ont plein, qui commencent à demander
ça c'est mon moi connais dans entourage moi qui a demandé est-ce que y a voyé aller vrai selon Jean yo ouais bagaille yo venir connir et puis il dit que en pile mon a plein surtout québécois yo il dit que c'est sou yo yo prend comme pour yo pays migrant yo et puis place yo par là bagaille ça mais est-ce qu'on trouve que ça bon partie raciale là-dedans parce que assez souvent depuis mon nan comme si commencer parler comme ça monde qui victime dans ces ressentiments ça peut le sentir. En fait, c'est m'a prélé le racisme. M'a prélé l'ignorance. OK. M'a prélé l'ignorance parce que dans pile monde malheureusement la moyenne québécois qui vivent au Québec peu importe origine yo, yo pas connaît comment processus migratoire, comment question et revendication de statut réfugié, comment bagaille ça fonctionne. Mm-hmm. Est-ce que puis faut connaître que par exemple Canada signataire de la convention des Nations Unies sur question réfugiés. Donc c'est-à-dire que le Canada a des obligations que gagne. Donc le que des monde présenté sur territoire et demandé revendiquer statut réfugié. Et on a obligation Canada gagne, Canada a une obligation de protection dans premier temps et Canada a une obligation de tendre monde ça pour monde ça faire valoir en qui ça lycée en demandeur de statut, il méritait des protections Canada comme réfugié. Mm-hmm. Et Canada c'est obligation internationale que la remplit. Les que des mondes présentés sur le territoire. Et que nous-mêmes, c'est par exemple, c'est bon, nous, comme citoyens, comme élus, c'est expliquer l'itadoué. J'ai bien dit l'itadoué. Expliquer Mounio pour comprendre comment ça fonctionnait. Et c'est ça que fait par exemple, puis font Mounio qui est arrivé, qui commençait, qui est arrivé depuis l'année dernière, on a pas que nous encourager Mounio, nous t'es toujours encouragé. Une fois qu'il y a un papier qui est autorisé, qui est capable de travailler, permis de travail, nous disons, en attendant que le dossier est réglé, fait pour capable pour yo joindre au travail pour commencer contribuer participer dans la société oui. Et c'est ça en fin de l'année au fait d'ailleurs c'est ça en fin de l'année ça faut en fin de l'année puis fin de l'année par exemple moi rencontre plusieurs qui plein moi que pourquoi se voit permis de travail parce que au gérat parce que au même Timothée tu as baillé Timothée sous petit comme ridicule que baillé pour survivre là yo même c'est des monyo qui voulaient contribuer associé. Et des fois même loyer il pas à payer. Absolument. Même loyer il pas à payer mon yo faut que yo tant nous mois après pour yo jeune nous bagaille. C'est voilà. Vraiment. Oui parce que gon bagaille tout que moi même depuis mon petit et toujours tant les parents m'a dit haïtien met ou il pas gagne mais son peuple qui fier. Mm-hmm. Il pas mendiant constant son peuple qui fier c'est qu'il travaille pour depuis son travail que les cafés qui mérite un salaire la faire. Alors ça c'est faut respecter. Je veux dire on connaît des monde qui c'est captant dossier traité et qui habite Montréal et puis qui chaque jour qui prend le travail 7 à 7. Qui va aller retour. Qui va travailler 7 à 7. Ça veut dire que ça c'est des monde qui courageux. Oui, ils sont peur qui fait. C'est des monde courageux. Mm-hmm. Ça veut dire que et malheureusement monde ça si la qualité bon, il va être la caillou. Exactement. Au cours des derniers mois, j'ai vu des talents extraordinaires parmi les gens. Oh oui. Des talents extraordinaires. Oui. Donc, des gens très talentueux, des gens très compétents. Mm-hmm. Mais c'est ça la réalité, malheureusement. Mm-hmm. Il y a une pensée qui est importante que j'aimerais ajouter tout, c'est que aujourd'hui, il est important pour nous dire, tout le monde qui a regardé aujourd'hui, que le Canada est un pays qui a une loi sur l'immigration. Canada a un programme d'immigration qui est bien normé, qui veut dire aujourd'hui, pour venir au Canada, il faut respecter les règles, il faut rencontrer les règles. Et aujourd'hui, ce n'est pas vrai que l'on arrive sur le territoire canadien, une fois qu'on demande des statuts réfugiés, il y a un bon statut réfugié. L'on arrive sur le territoire canadien, on demande des statuts réfugiés, il y a qu'un bon certain temps, il y a une bonne protection temporaire. Le temps qu'il y a analysé le dossier. Parce que une commission, qui c'est une commission sous le statut du réfugié, qui va statuer sous cadre. Et si la commission s'est arrivée, l'idée aboutit à la conclusion qu'on n'est pas réfugié, il y a demandé pour quitter le pays. Et je dis, malheureusement, il y a plusieurs compatriotes, en pile, membres haïtiens, qui ont déjà expulsé vers Haïti. Donc, ce n'est pas moi-même qui vais dire au monde, vini ou pas vini, mais cependant, il est important pour vous pour connaître. Soit vini en bas qui sort pour l'embarquer, ce qui ça capable attendre. Ça me capable dire c'est pas vrai. Si au jour comme ça que rive au Canada, il y a bon papier, il y a bon statut de réfugié, il y a bon résidence,
y a bon tout son besoin bon ca y a bon ah, c'est menti. Mais si on dit que Canada son pays, il y a une loi sur l'immigration, il y a une règle sur l'immigration qu'on doit respecter, ça c'est la vérité. Donc moi crois que c'est devoir pour bon leur juste. Donc mais choix c'est eux même qui vous décider pour venir ou pas. Parce que comme moi dis, moi même pas dans place. Je dis à l'arrivée de ces réfugiés, c'est au même qui va falloir pour prouver en qui sort son réfugié, en qui sa que vie ou menacé, en qui sa que si vous retournez la caillou, ou sécurité en danger. Pour ça, c'est au pour faire, c'est pas moi pour faire le bon. Voilà. Wow. Mais sous même, en tout cas, vraiment content que vous parlez avec le public là, parce que vous mettez les points sur les i et les barres sur les t, parce que des fois, nous ne pas comprendre qui genre loyaux et puis trop comme si ah intel te dit ah intérêt l'intel ou comprendre souvent c'est de on va prendre de bouche à oreille mais là on dit bah yo genre yo vraiment content mais quoi que tout le monde qui a regardé là yo connaît et puis bah, message en clair mais moi même t'as remis tout pour parler nous parce qu'on est actuellement là avec genre situation pays d'Haïti gon paquet insécurité commencé à déporter kounya il y a parlé de suspendre déportation est-ce que ou gagne des séries de haïtien comme ce qui dans Saint-Michel là soit qui relo qui mande aide pour pas déporter ou bien comme si qui mesure dans qui mesure que ou même en tant que député ou ka aider pour pas déporter du tout. Alors c'est sûr que oui, il y a des monde qui a dans bureau nous de contacter nous qui m'a dit nous appuie nous aide nous dans la mesure que parce que la loi est très claire et la loi prévoit rôle chaque monde qui veut dire c'est pas un député qui va le décider si on monde carité mais on monde n'a pas carité donc dans certains cas il y a des monde que nous accompagner en termes aider aux jeunes d'information aider aux jeunes bons représentants nous offrir type d'accompagnement ça okay. Donc y a des monde qui relaient nous qui remercient nous parce que accompagnement que nous débaillons permet que bon mieux dans dossier là okay, permet wow. Que une résolution ben nous content laisse arriver mais évidemment nous pas pa aucun monde garantie que les nous font démarche pour eux que démarche là a bien des retombées positives toujours au moins et c'est dans c'est ça que fait par exemple c'est mais c'est un dossier qui relevait surtout de compétences fédérales, la question de statut de réfugié. Donc, il veut dire, les gens qui contactent le bureau, qui veut dire réflexement, c'est redirigé vers le député fédéral. Parce que c'est la question, toute question qui a rapport avec les lois canadiennes sur l'immigration, revendication de statut de réfugié, c'est des bagailles qui relevaient de compétences fédérales. Wow! Merci pour la précision. Si il y a monde qui pas de comprendre quoi que précision non, bagaille assez clair, nous avons besoin de dire plus que ça. Mais pour la gens nous pas tomber. nous pas tomber nos petits bagaille soit pour dire là, nous pas changer de dimension. Nous pas connaître si député nous en tes poètes. Ah, ça là. Ça son talent caché. Ça son bagaille ça son bagaille extraordinaire. Fait que notamment mes frères pour parler nous qui j'en fait devenir poète pour ça ou poète est-ce que vous te connaissez mais que tu les aménages ou longtemps oui hein des petits acrostiches oui hein oui assez souvent on connaît toujours des petits lettres capotes aussi mais en fait c'est que même depuis jeune des aimer écrit parce que souvent des aimer écrit mais c'est il y a quelques années et dans le bureau, à l'époque c'était le bureau de la communauté haïtienne de Montréal, il a démarré, il a gagné 11 amis, parce qu'à l'époque ça, c'était ton intervenant que tu es, ton écrivain, intervenant, le nom Supplice. Il a démarré un atelier de lecture et d'écriture pour les jeunes de la communauté. Il était invité des jeunes de la communauté haïtienne qui sont intéressés par la littérature et l'écriture, donc, comme moi, j'ai toujours aimé lire, et j'ai toujours aimé écrire tout. Donc, il y a été invité, donc nous avons fait partie de club ça avec plusieurs jeunes à l'époque. Et c'est là que nous avons commencé le travail. Mais plus tard, l'homme vient dans le collège,
et de mon professeur de français et qui bon l'homme me met au travail et puis l'homme me met travail là et puis et une semaine plus tard il me met tout mon travail corrigé et puis il me met mon travail pas maintenant sans note et puis le mal côté il me dit écoutez madame vous n'avez pas j'ai pas eu de note et puis elle m'a répondu mais monsieur on ne corrige pas un poème. Wow. Donc, wow. Et puis, et à ce moment-là, il fait un cadeau, un livre qui est Les Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, donc qui est un grand poète d'origine autrichienne. Donc, et c'est comme ça que l'expérience poétique moi, a démarré sérieusement. Mm-hmm. Donc, plus tard, on va commencer à publier des livres de poésie, etc. Et publier des livres de poésie seuls, des disques de poésie, et puis participer à des anthologies, etc. Wow. Ah oui, c'est vrai, parce que moi, je connais plus, Valkandaï, qui sont recueils de poésie en créole. Exactement. Uh-huh. Ah, mon Dieu, ça, moi, nous fouillons un peu, ici. Ah, nous, l'homme, il m'a donné un jeune show. Oui, oui, oui. Bon, ici, oui, c'est pour ça, parce que si vous pas fouillez, nous allons venir faire, nous allons venir préparer nous pour là, parce que nous toujours bien préparés pour artistes là, ou bien pour personnalité. Ou bien personnalité publique là, pour bien paraître. Nous pas paraître là, et puis pas contre ça, n'a pas d'où. Exactement. Pas pour alors, nous tout. C'est ça que Jen and Jen show. C'est ça. Et ça, c'est un que où écrit, c'était en 2000. Absolument, c'est en 2000, c'est la première plaquette de poésie, moi. C'est ton, Valkandaï, c'est un hommage que me devrais là. Avec grand-mère, moi. Wow. Et grand-mère, je me souviens, elle était petite, elle nous courit, et puis elle a cherché un nanou, et puis on m'a dit, côté tel, et puis grand-mère me dit, ah là, le Valkandaï. On connaît ce premier bagage qui paraît. Je me souviens, mon Valkandaï a été marqué, moi. Mon Valkandaï a été tellement marqué, moi. Donc, premier recueil poésie, il me fait, mais écrit, il me Valkandaï. Wow, un hommage. Ah, grand-mère. Oui. C'est vraiment beau. Et puis après ça, on a un chant de mémoire en 2003. Oui. Donc, et il a fini, on a dit d'errance en 2004. Mm-hmm. Alors, moi, on sent comme si la poésie est vraiment ancrée dans nous. Oui, parce que nous considérons que la poésie, c'est qui habite la vie. La poésie pas habite dans le livre seulement. La poésie pas habite dans le disque seulement. C'est qui habite la vie. Mm-hmm. Et souvent, poète yo kon joue rôle de moun k ap annonson bagay. Poète yo pa joue rôle seulement moun k ap tradwi émotion, état d'âme. Et c'est pour cette raison que gade histoire tout peuple, tout peuple gen poète yo. Tout peuple gen poète yo, tout peuple gen artiste phare yo. Donc et nous même tout, nous gen Haïti gen pa manke pa tout. Par exemple au Québec et l'on parle de yon nan de parler poésie québécoise, premier poète yo tout Gaston Limon. Donc tout peuple tout gain poète parce que c'est figure ça qu'a chanté, qu'a dit, qu'a écrit, imaginait aspiration peuple. Mm-hmm. Donc c'est fonction poète là tout. Donc les poètes là sont monde qui habitait la vie. Sont monde qui habitait la vie, sont monde qui pas qui c'est pas contrairement à ça on dit, il est toujours présenté poète yo artistes comme des mondes qui rêvent, comme des mondes qui déconnectent de toi-même. Ça n'existe pas même réalité. Absolument. Même. C'est qui surréel. Non, au contraire, les poètes là sont mondes qui choisissent exprimer souvent, pas toujours, le réel, le réel, mais avec un autre mot qui parle mot que nous utilisons au quotidien. C'est sûr qu'évidemment, lors tomber devant une phrase poétique. Et pour dire waouh, les belles, ça qu'il faut dire waouh, les belles, c'est parce que son bagage n'est pas habitué dans les chaque jour. Oui, c'est vrai. Même. Son bagage n'est pas habitué dans chaque jour. Donc, comme son bagage n'est pas habitué chaque jour, mon recherche qui fait, mon travail qui fait sous moyo, sous style, etc. Donc, c'est ça qui est pâté ou qu'il faut dire, ah oui, mon travail d'artiste qui fait sous moyo. Mais moi-même, comme si j'ai une œuvre que ou écrit que moi-même, juste non seulement, capté. Là, le chercher. Oui. 24 heures dans la vie d'une nuit. Ah, bon. Juste non, juste mettez... Juste ça pour te ma curiosité. Oui, que ou écrit en 2010. Uh-huh. Ça a tellement entré dans moi. Ou est-ce que tu es bon, moi-même, personnellement, moi dit au moins une dizaine de fois parce que c'est métaphore. Là. Mm-hmm. Bon, ça le tient, 24 heures dans la vie d'une nuit.
moi-même t'as juste comme si expliquez-nous. T'as aimé pour expliquer juste qui j'ai envie avec nous parce que ça tellement intrigué. 24 heures dans la vie d'une nuit. En fait, 24 heures dans la vie d'une nuit, recueil ça, son recueil qui écrit dans la nuit seulement. Son recueil, je n'ai pas un mot qui écrit là-dedans pendant le soleil levé, pendant le jour. Son recueil qui écrit dans la nuit seulement. Et l'expérience qu'il racontait, qui passait à travers 24 heures dans la vie d'une nuit, c'est des expériences de nuit, c'est des expériences nocturnes. Peu importe, trame émotion. Par exemple, premier poème, yo, c'est des poèmes qui sont en hommage à maman. En hommage à maman qui mourit dans la nuit. Oui. Okay. Et il y a une série de poèmes tout qui c'est qui a un rapport avec l'amour. Et mais l'amour, à travers ça, l'amour est le plus désolant. Et solitude, séparation, tristesse, abandon. Et gagné y a un segment tout et en dedans 24 heures la vie d'une nuit qui a un rapport avec tremblement de terre parce que comme on dit c'était en 2010 ouais. Et pour moi tremblement de terre c'est une expérience nocturne de liée son expérience dans la nuit comme sombre. côté Haïti plongé dans la nuit donc et vrai. Pendant un bon bout de temps et voilà c'est toute trame ça que rejoint à travers 24 heures dans la vie d'une nuit. Alors, ouais, nous t'ai guérison, comme si que, juste non seulement, et puis son recueil, que comme si, qui est quand même lourd, et puis que vous écrit en 2010, c'est ça fait que nous t'ai voulu pour te bailler plus d'explications à public. Là. Ah, ouais, très, très bien. Mesdames, me connaissez si recueil, ça toujours disponible. Si, oui, absolument. Si nous t'ai aimé, parce que lui fait ma vie à Lille. Oui, sur les gènes, c'est facile, de deux façons. N'importe quelle librairie où aller si au pagnol ou m'a dit commander le bout. Okay. La commander le bout, il existait toujours. Donc généralement ça prend 2-3 jours. Okay. Si ou pas gain $16 ou $10 pour t'avoir acheté ou t'a même prêté, il est disponible dans n'importe quelle réseau bibliothèque de Montréal. Donc voilà n'importe quelle bibliothèque de Montréal ou m'a dit et puis on capable prêter. Donc voilà. Mais est-ce que en tant que poète est-ce qu'on déjà écrit pour monde qui t'a envie interpréter poésie à travers d'une chanson? Oui, ça arrivait déjà que me collaborer déjà à plusieurs chanteurs, chanteuses, donc comme poète, donc que chanter des textes que m'écrit parmi Mounsayo et Michel Guillaume et Émilie Michel. Wow. Donc sous album Émilie Michel Quintessence, son très bel album d'ailleurs que m'invitait. Tout le monde attendait acheter l'album ça. Mais c'est la vie ou même qui écrit? Non, pas mais c'est la vie. Okay. Et m'écrit un texte qui est Kemap Sauté. Au format de Kemap Sauté. Oui, Kemap Sauté. Donc, c'est un projet qui a été censé être un projet extraordinaire parce qu'il y a une ligne qui écrit très très bien tout. Oui, Emeline, c'est une excellente ligne. Souvent, on nous parle d'Emeline non seulement comme une grande chanteuse, mais c'est aussi une grande auteure, compositeur, compositrice interprète qu'elle est. Et Emeline t'a fait appel à des poètes sur l'album ça, donc plusieurs poètes et pour travailler album Quintessence là avec lui et au niveau de l'écriture des textes donc il t'a fait appel à même tout donc c'est un plaisir moi de collaborer avec elle avec Uchel donc Uchel et Mikwa Uchel chantait deux textes moi qui Kata Mikwa Uchel Kata oui Kata et puis c'est avec moi elle... de ces Kata non mm-hmm. Oui. C'est moi elle de ces Kata non et puis avec un texte qui est le Deschenem. Ouais, Deschenem. Voilà, c'est un texte qui évoque un sujet qui est très sensible à lui-même. Deschenem, chérie. Voilà. Mm-hmm. Voilà. C'est un texte qui évoque un sujet qui est sensible avec l'empile. Son sujet, c'est la question de violence conjugale. Donc, nous considérons que son bagage qui est grave. Qui est très sensible. Qui est très, très grave. Parce que violenter Timoun et puis violenter femme. Je crois que c'est des bagailles qui inacceptables, c'est l'horreur. Et puis, je crois que les devoirs, les responsabilités que nous avons, c'est dénoncer ça. Et c'est dénoncer ça sous toute forme. Oh. Donc, il y a d'autres mondes qui chantaient tout, tant que par exemple Daniel Guillaume. Et Daniel Guillaume, qui sont chanteuses de la communauté haïtienne, bien connues. Bon. Franz, là, nous arrivons dans fin émission. Mais dans fin, nous toujours. Mettons un petit piquant
Vous comprenez? Alors, quand tu joues, et pas bon monde qui va passer à côté. Alors, même si que vous son personnalité publique, mais nous pas maltraiter vous. Mais son petit jeu qui est bien intéressant, côté que vous pouvez choisir trois questions, et dans trois questions, vous choisissez, il faut qu'on lit les questions à haute voix, à haute voix, okay. Et puis il est fini pour répondre le plus honnêtement possible. Le plus honnêtement possible. Ok, parfait. On va essayer. Bon, la première. Les questions en créole. Ouais. Ça déjà arrivé au volet dans vous déjà. Vous connaissez non? Sinon, pas de café de tir, ma frère. Ça, c'est voilà. Vrai. Voilà. Belle réponse. Ça, c'est vrai. On était deux l'autre. Ok, monsieur, d'accord. Oui. Parfait. Salomé. Qui s'est déjà arrivé au envie qui te mettait mal à l'aise, qui te fait regretter tout? Wow, qui ça qui mettait le nom? Il y a même qui te mettait mal à l'aise. Mais qui font regretter. Si une situation qui font regretter. Oh là là, ça c'est compliqué. Je vais songer vraiment. Je vais arriver dans la tête, spontanément, pour qu'il me dise une situation qui te mettait mal à l'aise. Non, ce sont très belles questions qui peuvent nécessiter que de méditer sur donc, nouveau et mal médité. N'importe l'autre de l'émission. Oui, le non, je ne m'apprécie pas. N'importe l'autre. Okay. Alors, marquez-lui dans le cas et Jen et Jen Show. Ok. Et la troisième. C'est à Londres, hein? Qui événement dans la vie ou qui déjà arrivé ou et qui te rend nous content en pile? Là où il est ah oui, la même chose. Ah, ben, évidemment, c'est naissance premier petit moins. Naissance deuxième petit moins. Wow. Donc, il y a un paquet d'autres événements encore, même quoi que. Et c'est des bagailles. Pour un jour, un après-midi, pendant qu'il y a premier petit moins, un après-midi, et on paraît pour au papa. Donc, son bagage qui est extraordinaire. Ça, c'est un moment qui est vraiment marqué. Ah oui, wow, absolument. Où bah, la vie a un oui. Être vivant. Oui, absolument. Tout à fait. Ah. Tout à fait. Voilà, on répond. Oui. Pas oui. Difficile. Voilà. Ah, franchement, il est vraiment chanceux parce que toi, il sont belles questions. Belles questions. Ah, vraiment chanceux parce que les questions là qui étaient à fond, dit mesdames. Merci pour choix, mal et en tout cas, moi, je voulais remercier vous. Franchement, c'est un honneur le fait que vous avez accepté l'invitation, ça, vous êtes venu dans Jen and Jen Show, vous avez pris le temps, vous avez parlé, et vous avez un pile bel conseil et ou démystifier peut-être ou pas qu'elle bagarre que. Un pile monde pas connaît. Voilà. Alors, nous, Kadou, pour ça, moi, je voulais remercier vous. Mais c'est moins pour remercier moi parce que c'est toujours plus facile pour nous détruire que pour nous construire. Et Jodia, ça que nous avons fait Jodia comme projet, son projet de construction qui participait dans l'idée que nous faisons dans la communauté. C'est-à-dire son communauté, côté où jeune jeunes, monde, tout le monde dynamique, dans tout secteur d'activité. Nous-mêmes, nous choisissons le secteur des communications pour nous faire tendre la communauté. Et là, ça m'encourage nous. M'encourage nous continuer. M'encourage nous Kembe là, Kembe ferme. N'a pas besoin de contrariété. Mais pas occuper nous de contrariété. Là, Kembe là. Et, il y a un homme qui est à l'autre côté, puis il y a un monde qui te dit si il y a un monde qui parle mal dans le dos, c'est que c'est signe qu'on est devant nous. Qui veut dire si il y a pas mal dans le dos, c'est qu'on est devant nous. Alors, devant net. Continue. Merci pour mon encouragement, ça, parce que des fois, nous jouons une critique là, vraiment, mais nous connaissons ça à faire, nous remèl, et puis nous connaissons la petite communauté en tout, ça aide nous à avancer, et nous avons un producteur malheur, un producteur notre tout comme ça. Parce que ça c'est slogan. C'est grâce à lui même qui fait nous là, c'est un monde nous apprécie en pile. Donc si l'émission ça a existé, ça a lié, je ne dis pas comment ça a commencé, et
si c'était l'un des faits commencer nous pas capable inviter parce que pour nous nous sentir que bah ça trop misérable nous pas capable inviter un grand député nous remet pour ça vienne mal paraître là mais c'est grâce à producteur et puis merci pour conseil parce que nous besoin pour aider nous avancer mais merci en pile m'a tout profité donc c'est la approche Noël à venir bientôt m'a profité présenter nous mesdames mon cher original le réalisateur mes vœux de joyeux Noël. Merci. Et tout le monde qui attend des lives, ma petite, nous joyeux Noël, un heureux temps des fêtes. Oui. Et tant pis, s'il vous plaît, dernier conseil, ma petite, nous, Noël, c'est temps pour nous amuser, nous, avec famille, nous, amis, nous. Si nous bois, pas conduit. Oui. Donc, parce que moi, nous tous t'aimons, rejoindre nous en forme pour 2019. Nous souhaitons une heureuse année en même temps. Et à bientôt. Merci, merci, Franz. Beaucoup de succès dans ce qu'on va faire. Oui. Et puis nous connaissons que vous allez jusqu'au bout au parlage. Merci. Vous allez devant, devant même. Alors merci, merci à toutes les fanatiques qui t'ont regardé l'émission ça. Jen and Jen Show, Show Paola, Show Pamela et Show Paola toutes. Et m'a dit tout le monde pour nous continuer à l'abonner, nous partager Show, à le subscribe, nous déjà connaît mon petit cloche en l'air, et puis nous cliquer sur le lien, nous avons tout bon bagage Jen and Jen Show, la gueule. Alors, encore une fois, c'est Chopin, 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 tout. Au revoir. À bientôt.